Maman, papa. Quoi? T'as quoi? Un bobo. Oh, t'as mal où? T'as mal là? T'as mal où? T'as mal où? Ah, les bobos là. Voilà, l'hiver est là et la bronchiolite aussi. J'en entends parler partout. Chez le médecin, à la crèche, au parc. Bronchiolite. En vrai, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Et d'ailleurs, on dit bien bronchiolite et non broncholite. Enfin, c'est juste un détail, hein. Donc, la bronchiolite, c'est une maladie fréquente chez les enfants de moins de 1 an. Et ça se passe surtout l'hiver, pendant le festival des virus contagieux. Et c'est justement le virus du rhume qui descend jusqu'au poumon. Comment? Ça commence par un combo nez qui coule et tout, parfois même un peu de fièvre. C'est ce qu'on appelle, médicalement parlant, une rhinopharyngite. Puis la toux peut devenir plus intense et la respiration sifflante. Ton bébé peut être gêné pour respirer, manger, dormir, mais c'est souvent pas très grave. Dans la plupart des cas, ça se guérit tout seul au bout de 5 à 10 jours. Et c'est normal si la toux continue pendant 4 semaines. Les conseils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ton bébé a attrapé le virus et qu'il a le nez qui coule, il n'y a pas grand-chose à faire. À part lui dégager le nez avec du sérum physiologique et attendre patiemment que ça passe. Mais si ton bébé a un rhume, comment savoir si ça évolue vers une bronchiolite et si c'est grave? D'abord, ton bébé peut avoir une respiration plus rapide que d'habitude. Ensuite, tu peux voir qu'il a du mal à respirer si ses côtes se creusent ou si son ventre balance à chaque respiration. Tu peux même entendre que sa respiration siffle. Une fois que la bronchiolite est là, le plus important, c'est de bien surveiller pour que ça ne s'aggrave pas. Si tu trouves qu'il est vraiment gêné pour respirer, qu'il est moins réactif que d'habitude, qu'il boit moins de la moitié de ses biberons ou vomit à chaque repas, consulte vite ton médecin. Les petits bébés de moins de 3 mois ou nés prématurés sont plus à risque d'être rapidement gênés par la bronchiolite. Donc il faut les faire examiner dès les premiers signes. On peut rien faire pour accélérer la guérison. Mais tu peux aider ton bébé à mieux respirer. En lui lavant le nez avant de boire ou manger, en fractionnant ses biberons. Ça veut dire lui donner plus souvent des petites quantités. Parce que ça gêne beaucoup la respiration de boire des grands biberons quand on a une bronchiolite. Continue à le coucher sur le dos et à plat. Et dans de rares cas, ton médecin peut te prescrire de la kiné respiratoire. C'est pas systématique et ça permet pas de guérir plus vite. Évidemment, faut tout faire pour pas attraper le virus. Ça se transmet par la toux, la salive et les éternuements. Et comme les adultes et les grands enfants peuvent être porteurs du virus sans aucun signe, à part à la rigueur un petit rhume, il faut bien penser à se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique avant de t'occuper de ton bébé. Ne pas partager les biberons, tétines et couverts, et éviter de mettre ton bébé en contact avec des gens enrhumés. Et si jamais t'es toi-même enrhumé, il faut te couvrir la bouche avec ton coude quand tu tousses ou éternues, éventuellement porter un masque si ton bébé a moins de 3 mois, et éviter de lui faire des bisous sur le visage ou les mains. Je sais, c'est dur. Ah, et aussi, bien aérer la pièce où il dort tous les jours, et ne pas fumer à côté de lui. En résumé, 1. La bronchiolite, c'est viral et contagieux. Donc c'est important de mettre en place les petits conseils que je viens de te donner. En plus, une fois attrapé, on ne peut pas faire grand-chose pour la soigner. 2. La bronchiolite n'est pas une maladie grave, et souvent, ça passe tout seul au bout d'une dizaine de jours. Mais attention, faut bien surveiller. 3. Si ton bébé a du mal à respirer ou à s'alimenter, file chez ton médecin, surtout s'il a moins de 3 mois. Voilà, c'est fini. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser à ton médecin ou à consulter le site de l'INPES, rubrique bronchiolite. Des bisous, et à bientôt.